Eh bien, bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui sur la 500 Mini. Et cette fois-ci, c'est pour parler de ma sélection de jeux de shoot. Donc, c'est ce que je vais faire. Je vais faire une catégorie shoot enfin, c'est pas ce que je vais faire, c'est ce que j'ai fait. Donc, je me suis fait une petite liste de jeux que j'aimerais faire d'ailleurs sur l'Amiga, parce que finalement, je le connais très mal, ce support. Et donc j'ai fait plusieurs catégories, donc une catégorie de shoot, une catégorie point and click, parce que point and click c'est des jeux que j'adore. Et donc d'ailleurs le point and click, quand on reprend l'histoire, c'est un peu le début c'était l'aventure texte. Donc ça me donne aussi pas mal d'idées. J'aimerais bien essayer de faire une aventure texte, mais avec des petits décors sur le MO5. Et c'est ce que je ferai dans de futures vidéos. Allez, c'est parti, on va se faire cette petite sélection, vous montrer ma sélection de jeux d'ailleurs que j'aimerais bien que je vais faire d'ailleurs sur l'Amiga. Alors, allez, les jeux. Donc vous voyez, hein, c'est des jeux, il y en a à l'appel, en veux-tu, en voilà. Et donc on va commencer par celui-ci. Tac, 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 je suis tombé dessus par hasard. Et il est où? Il est là. Hop, c'est parti. Donc c'est Mega Typhoon. Je connaissais pas du tout, donc s'il y a des gens qui, moi je suis vraiment tombé dessus par hasard. Et là, quand j'ai vu ça, je me suis dit non, là, oui, c'est franchement, c'est fluide, c'est excellent. Là, moi je dis oui, tout de suite. Alors j'aime bien ce genre de jeu. Hein. Et en plus ça va très vite, c'est vraiment génial. Bon après faut avoir l'œil partout, hein. Faut avoir l'œil sur les petites boulettes. Esquiver tout ça. Bon, il y a des temps en temps ça rame un petit peu, mais bon. Voilà, là je suis mort. Hop, on va récupérer tout ça tout de suite. Ah bon, je suis sorti comme un imbécile. Allez, c'est pas grave, on va passer. Donc du coup, au deuxième. Alors le deuxième, je pense que c'est un jeu que vous devez connaître, enfin que pas mal doit connaître. C'est celui-ci. Hop, hop, c'est parti. Quoique, si c'était celui-ci. Et boys. Et franchement, celui-là aussi, il est pas mal. Au départ, je me suis dit, ah, ça paye pas de mine. Mais finalement, je dis oui, tout à fait. Il est très très bien. Il est vraiment excellent. Sauf que le suivant va arriver ici. Hop. Ah, quel idiot. Ce n'est pas grave. Bon, je vous fais juste une petite démonstration. Hein. En espérant que ça vous donne envie de découvrir ces jeux. Même sur l'émulateur. Hein. Bon, là je suis mort aussi. Allez, on va passer au troisième. Mais franchement, il est bien. Hein. Il est vraiment bien. Je vais essayer de le terminer celui-là. Allez, c'est parti. Je vais vous montrer le troisième. Bon, le troisième, il me semble que je l'avais déjà présenté. Mais franchement, il est tellement beau que. Il est tellement. Hop, 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 hop. Il y en a plein que de toute façon que je vais vous présenter. Enfin, c'est une sélection, hein, c'est une sélection de 5 jeux.
Non, quatre jeux, quatre jeux. Et c'est Banshee. Banshee qui est magnifique. Allez, c'est parti. Un petit temps de chargement. Pareil, hein, franchement, ce jeu-là, il est magnifique. Allez, on va commencer le jeu. Objectif, voler au-dessus de l'océan Atlantique et détruire le port. Allez. C'est parti. Pour l'instant, c'est sympa. Il se laisse faire, mais après, ça va devenir plus compliqué. Ah, quel idiot, quel idiot! Ah si, on peut faire une attaque comme ça, on se retourne et en fait ça attaque. Hop! Alors ça c'est pas mal, par contre voilà, on n'en a pas non plus, ça dure pas tout le temps. Bon là je l'ai complètement loupé. Alors j'adore les effets d'explosion, hein. Franchement c'est vraiment bien fait, hein. Je vais exploser. Donc ça, c'est pour le troisième. Moi, je le trouve magnifique celui-là. Il est vraiment magnifique, hein. C'est vraiment bien fait. Les animations, il est fluide. Et de quoi bien s'amuser. Et en plus, c'est des jeux qu'on peut refaire pour rien que pour le plaisir ou le scoring. Allez, on passe du coup au dernier de cette sélection de shoot que je me suis. Alors c'est pas un top, hein. C'est vraiment les jeux que je veux découvrir et approfondir. Je fais pas de top parce que si on fait un top, c'est-à-dire qu'on connaît une grande partie des jeux. Pour l'instant, j'en connais pas suffisamment sur l'Amiga. Mais franchement, ce que je vois me plaît beaucoup, quoi. Vraiment beaucoup. Menace. Alors, les images, etc. On est sur des ordinateurs 16 bits et franchement, ça fait le taf, hein. Allez, on presse F1. Et ça va peut-être vous rappeler quelque chose, ce jeu. Alors, voilà, caméra qui se remet bien. Allez. Franchement, il est beau et ça me, je sais pas, ça me dit quelque chose. Ce jeu ressemble à pas mal à un jeu que j'ai connu sur PC Engine, Mega Drive. Ça y ressemble beaucoup. On va pas se laisser enfermer de trop quand même. Ouais, meurs quand tu veux, toi. Oh là, oh là, oh là, oh là. Voilà, 1000 points, c'est toujours ça. Ça, mon avis. Pas mal de petites animations. Ah,
sympathique. Par contre, j'ai pas vu de bonus d'armes pour améliorer ses armes sur ce jeu. Mais je le trouve vraiment magnifique, ce jeu. Enfin voilà, allez, je vous montre quelque chose de sympathique. Il est où, il est où, il est où? Il est tout à la fin. Ça, c'est un jeu qui est en téléchargement sur qui s'appelle Citadel. Donc du coup, il est en téléchargement d'ailleurs sur enfin, le site du constructeur de l'Amiga 500 Mini, enfin la 500 Mini, et je l'ai mis là, et j'ai jamais essayé, et du coup, c'est hier, je me suis dit, tiens, je vais voir ce que c'est ce jeu, parce que je pensais que c'était autre chose, et finalement, belle surprise, petit jeu vraiment sympathique, alors je vous fais juste la démonstration. Je vous montre un peu à quoi ça ressemble. Alors, je pense qu'il y a pas mal de monde qui connaît ce jeu, mais franchement, il était pas mal fait. Vraiment pas mal fait même. Assez surpris. Je m'attendais pas à ça. Je m'attendais au jeu qui était justement déjà dans la 500 Mini et que c'était une version améliorée, on va dire. Et finalement, non, ça n'a rien à voir du tout. C'était pas du tout c'était pas du tout le même jeu, quoi. Alors, par contre, les musiques, quand même, sur l'Amiga, c'est vraiment la digne héritière du C64, hein. Là-dessus, il n'y a pas photo. Donc, je vous montrerai ma sélection de jeux point and click. Parce que c'est vraiment un style de jeu que j'aime beaucoup. Allez, c'est parti pour Citadel. On fait star. Hein. De toute façon, je vais pas aller loin. C'est juste pour vous montrer à quoi ça ressemble. Donc voilà à quoi ça ressemble. On va regarder à droite à gauche quand même. Des fois qu'il y aurait quelque chose qui nous intéresse. Hop. D'accord. Donc, effectivement, ça ne devait pas être par là. Hop là. Donc, ici, on a une arme qu'on va s'empresser de prendre. Hop, allez, on va les visiter maintenant. Là, il y a des munitions. On va prendre les munitions aussi. Voilà. Et franchement, c'est pas mal fait. Et c'est assez fluide. Hein. Moi, je suis vraiment surpris, quoi. Ah non, c'est la porte qui s'est ouverte. Ouais, j'entends bien que ça tire quelque part, mais où? Voilà. Toi, tu m'embêteras plus. T'as pas laissé des armes, des munitions? Non, rien du tout. Il y en a un autre là. Ouais, parce qu'on n'a pas des munitions illimitées. Voilà. Et donc voilà, c'est vraiment un petit jeu sympathique. J'aurais même pas prêté attention, franchement. C'était même pas mon intention d'y prêter attention à ce jeu. Et finalement, l'autre, il est en train de me tirer dessus comme un traître par derrière. Il est où? Ouais, je vais plus avoir beaucoup d'armure. Bon, c'est pas grave de toute manière, c'était juste pour vous montrer. Je crois qu'il y a de la vie quelque part. J'avais laissé une trousse de secours quelque part, je m'en souviens plus où. Non. Comme un traître, en train de me tirer dessus dans le dos. Ouais. Enfin bon. Bah écoutez. Franchement, je trouve magnifique, hein, même les décors, etc. Je le trouve vraiment sympa ce. Bonne petite machine, cet Amiga. Et cet Amiga 500 est vraiment excellent. Comme là, ici, il y a quand même pas mal de jeux. Celui-là, il est très bon. Celui-là, il est magnifique. Ça aussi, c'est sympa.
celui-là, j'en parlerai plus parce que c'est à la base, c'est rien que pour lui hein, que j'ai pris la 500 mini. Celui-là particulier, j'ai pas réussi à décoller. Pourtant, j'aime bien hein, les simulations de vol, etc. Et puis en plus, il y a un peu de combat, bah, tant qu'à faire, pourquoi pas. Mais bon, si j'ai toujours eu du mal à atterrir, hein, vous savez, avec Airbus sur MO5, j'ai touché la piste, mais pas dans l'état qu'il fallait. Mais là, celui-là, non. J'ai juste entendu le moteur, mais j'ai pas réussi à décoller. Ça, vraiment sympa. Je vous en ferai une vidéo, je vous en ferai une vidéo là-dessus. C'est vraiment sympa. Hein. Celui-là, j'aime bien. Sa ProGX, il est magnifique. Voilà. Moi, c'est avec celui-là que j'ai confondu. Je pensais que c'était ça, mais en amélioré. Celui-là, je l'ai téléchargé parce que je crois qu'il est en anglais, donc je l'ai repris en français. Ça, c'est excellent, ça, c'est excellent. Ah, ouais, bah, et tout. Ouais, y a franchement pas mal de jeux excellents sur l'Amiga. Ouais, vraiment très bien. Eh bien, écoutez, ça sera tout pour cette sélection de jeux de shoot que je vais me faire un plaisir de faire. Et puis je vous présenterai ma sélection de point and click. Et après, je vous ferai aussi la sélection de plateformes. Et puis pas mal de petites découvertes comme ça, à droite à gauche, qui m'intriguent. Et voilà, que je vais partager avec vous. Allez, sur ce, je vous souhaite à tous une très belle journée. Je vous dis à très bientôt. Allez, ciao.